Vers 1990, j'ai habité à Becherel, Cité du Livre, pendant quelques mois. J'y ai tenu une minuscule librairie, une maison des petites éditions, à la place de cette boutique. C'est la première fois que je reviens. La cuisine était en bas et ma chambre était au premier étage. Je filme en cachette, sans rien avoir demandé. Je filme pour me souvenir. Je filme l'espace tel qu'il est au moment où je filme, puisque les lieux ne gardent aucune trace de notre passage. Les lieux n'ont pas de mémoire. Les lieux sont des espaces vides. C'est en filmant, en écrivant, que le récit transforme le réel en réalité, pour reprendre les mots de Patrick Lebout lorsqu'il évoque le geste documentaire comme expérience artistique. C'est aussi ça, le travail du journal filmé, raconter un week-end en famille, mais aussi la traversée des paysages, Dinard, le décor du film Conte d'été d'Éric Rohmer. Et puis plus loin demain, ce sera Fort La Latte, les Vikings, avec Kirk Douglas, parcourir tout le cinéma en quelques kilomètres. Deuxième jour, le journal filmé fabrique sa propre mémoire. Ce qui n'est pas filmé reste hors champ, reste invisible. Étrange paradoxe, je retrouve ces images des draps froissés et plus tard je ne me souviendrai pas du nom du restaurant où nous avons déjeuné. Filmer, c'est cadrer, sélectionner, ne pas tout prendre et puis ensuite raccorder les plans. Mais laisser des trous pour que les images restent ouvertes sur le hors-champ, où se situe toujours la source du regard, pour reprendre encore les mots de Patrick Lebout. Le journal filmé tente de saisir le vent, l'infilmable. Il est fait de ce qui est filmé et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est dit et de ce qui ne l'est pas, pour former un récit à trous, une histoire sans fin de la suite du monde. Ça peut durer, hein, c'était juste un passage. Ça va se saigner. Ouais, c'est bon.
Dommage, ça avait l'air sympa. Ah oui, les gastronomiques, c'est pas mal. Mais bon, il est beau, il est beau.